Salut à tous, j'ouvre ce vlog si vous me suivez hier, je sors de chez le coiffeur. Le résultat est mais juste canon. On dirait une nana du Crazy Horse. Bon, je vous montre ça en rentrant. Alors, c'est comme ça qu'elles font. Les filles du Crazy, je crois. J'adore. J'adore, on n'a pas du tout fait comme d'habitude. Attends, je mets mes lunettes quand même. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je suis partie vraiment à l'arrache. Elle m'a dit dans 15 minutes. Du coup, je me suis maquillée très 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 rapidement. D'habitude, je fais que des mèches. Et là, j'aime pas l'évolution quand c'est les mèches au niveau des racines. Donc, on a fait une couleur juste en racines et des mèches. Et c'est super beau. C'est un flash qu'elle m'a fait au niveau des mèches. C'est pas des mèches complètes. J'adore. Du coup, la longueur est belle. Je peux les laisser libres. Et j'ai demandé à ce que je puisse encore les attacher. Donc, petite queue basse, comme ça. Et ou petite queue haute. Franchement, c'est top de chez top. C'est ce que je vais faire maintenant. Oh, c'est excellent. Par contre, un truc qui s'est passé très drôle. J'appelle Eric, il était 10h. Je lui dis, est-ce que tu peux faire chauffer des pâtes? Il me dit, mais t'es sérieuse, il est 10h. Je lui dis, mais oui, mais tu sais que je fais des salades, il faut bien anticiper pour que ça refroidisse. Ça pour vous dire qu'il l'a fait chauffer. Dans la maison, il fait 50 degrés, je crois. Je sais pas, il a dû faire chauffer pendant trop longtemps. C'est un four. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il faut que je monte le vlog d'hier. Et mon bureau, c'est. Mon bureau, mon ordinateur, c'est pas un portable, donc je peux pas le mettre en bas. Il fait extrêmement T'as qu'une envie, c'est que ça pète. Et il y a de l'orage et de la pluie. Enfin, moi, perso, voilà ce que j'ai envie. Donc voilà, super, super, super. J'aime trop. Ah, mais c'est quoi ça, voleur? Salade du jour. Qu'est-ce que je dois rajouter? Mâche peut-être, éventuellement. Je la mets au frais, je ne mets pas encore l'assaisonnement. Je suis désolée, hein. Ça va être comme ça encore quelques jours au niveau de la lumière, mais on fait un peu tout. Je suis en train de faire ma vidéo, elle upload. Le problème, c'est une bonne chose quand même. Là, je suis en train de ranger. Eh bien, c'est l'orage qui arrive. Donc, c'est bien parce que ça va rafraîchir, je pense. Mais j'ai un petit peu peur que mon ordi pète. Et il reste au moins 1 heure et demie. C'est. Oh là là, on dirait de la grêle. Oh là là. Ça veut dire peut-être ce soir, on va respirer. C'est le déluge. Et tiens le coup, petite. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai attaché mes cheveux. Chaud, et voilà, attends, on voit ça. Il est en arrêt là, il sait plus qu'est-ce que je fais. C'est rien, mon bébé. Les oreilles en arrière, la patte comme ça, je peux te dire qu'il n'est pas serein. C'est l'orage, bébé. Tu vas pouvoir respirer, enfin, j'espère. Oh, il n'y a même pas de fraîcheur là. Oh, heureusement que j'ai pas été au coiffeur cet après-midi. Je vais me changer d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps. Ça me colle trop. Je supporte rien. Je me sens mieux. Ah oui, si, 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 si. Je vais en profiter pour vous montrer un truc. Ça fait un petit moment que j'ai reçu cette box de la marque Matcha & Co. À l'intérieur, il y a un kit pour faire un thé, mais un des meilleurs thés. Et également, ils m'ont demandé de tester ce sérum. Donc, face. Oh la vache! Vous l'avez vu ou pas l'éclair? Je supporte pas ça. Bref, on continue. Vitamine C et il est quasiment terminé, donc je voulais vraiment le tester pour vous en parler. Il est super, il est légèrement foncé, enfin ça se voit pas. Oh, je suis désolée du bruit. Bref, et super sérum, cette marque est vraiment, c'est une très chouette découverte. Vous voyez, c'est comme ceci. Très agréable application et surtout bas. Des vertus qui sont pas négligeables, c'est cette hydratation. En tout cas, moi perso, c'est ce que je recherche quand je mets un sérum. Et ce coffret, en fait, donc je vais l'offrir à l'intérieur, c'est top. Le problème, moi je leur ai dit à la marque, moi je ne peux pas prendre de thé, je prends que des infusions parce que le thé, voilà, avec le fer, les carences, oh, je vais sauter à chaque fois. Et c'est le thé matcha 100% organique et c'est le premium. Il y a tout, 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 le petit récipient. Dans lequel en fait tu viens mettre la poudre matcha et tu viens en fait tourner et il y a même la petite cuillère dosette. Je vous mets le lien si ça vous dit vers la marque. Tout est bien fermé et on a l'explicatif comment venir le. Tu mets juste 1 gramme, tu viens tout doucement tourner et tu mets légèrement de l'eau, agua ou leche, donc du lait. Et toujours pas serein le gars. Ça va passer, bibiche. Alors, c'est peut-être pas hyper. Parce que c'est plombé d'un coup, hein, la luminosité. Ça m'agace
3 heures de téléchargement, je vous dis, en ce moment, c'est une catastrophe. Bon, en même temps, ils devaient installer la fibre en mars. Te dire des excuses avec le Covid, mais j'espère qu'en septembre, ils vont reprendre. Et sinon, vous me demandez, mais Caro, t'es pas partie pendant ces vacances? Bien, non. Juillet, on est resté là. On devait partir au Sable d'Olonne, donc en août. Et avec Eric, on a décidé qu'on annulait, tout simplement parce que déjà, le masque est obligatoire dans les rues des Sables d'Olonne, sur la plage, donc un truc bien chiant. En plus, bon, ses parents ne sont pas tout jeunes, donc on va éviter de les exposer. On ne sait jamais, donc bon, ça, on reportera pour les vacances d'octobre, très certainement. Par contre, nous allons aller en Normandie. On va retrouver de la famille, ça, c'est très, très cool. Ça va nous faire du bien. Ça va être que quelques jours, mais suffisant pour changer d'air, voir autre chose, faire autre chose. Et moi, parfois, ça me suffit pour repartir de plus belle, parce que je pense que même pour le moral, c'est bon, il faut. Sinon, tu pètes un plomb d'enchaîner tout de suite septembre et tu as l'impression que tu n'as jamais eu de coupure. En parlant de fatigue de sieste, je vais balancer. On s'est dit avec Eric qu'on s'est mis d'accord, vu qu'on se lève quand même tôt, depuis qu'on a repris le sport. Et on s'est fait un check, on s'est fait confiance, on se dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de sieste la journée, on prend sur nous, on se lève très tôt, certes, on va être crevé, mais au moins, ce sera réparateur, on aura envie de se coucher tôt, et tout ça. Ok, là, je fais mon montage tout à l'heure. Je descends prendre mon petit café de 14h, je vais le voir dans son bureau, et là, je vois qui? Je vois monsieur qui fait une sieste. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté du tout notre pacte. Je lui ai dit, tu fais quoi? Ouais, non, bébé, je suis fatiguée, tu comprends, je suis crevée. Quoi? Tu dois être content, hein? Ça fait tellement du bien. C'est pas encore ça, hein? Il nous annonce du 20 degrés, donc là, on est encore sur une trentaine de degrés, mais petit à petit. Enfin, on va dormir. 2h26 en même temps. Il y a 5 minutes, ça faisait 2h59, donc oui, le comptage n'est pas bon. On va manger? Bon, toi, t'as déjà mangé? Il doit être 20h déjà. On essaye de faire des courants d'air, mais je trouve pas que ce soit bien probant tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il reste plein de salades. Ça veut dire que... Bah! Ma vidéo qui part toute seule. Ah! Stop! Je disais donc que le truc cool, je cherche toutes les sources de lumière que vous puissiez voir, c'est qu'il y a des restes de salade, ce qui veut dire pas de cuisine. Oh, tu m'as fait peur. On va constater, les gars. Ah oui, forcément. Il n'a pas résisté, lui. Ah, ça fait frais, je vais laisser ouvert. Oh là là, c'est cool. C'est le lendemain matin, regardez-moi ça. Donc on est allé faire notre sport. Le sac, je lui ai dit, oh, on peut se prendre des viennoiseries. Il est parti chercher des viennoiseries. Je pense qu'il a pris des... Ah ouais, il a pris également des sandwichs pour ce midi. Ça, c'est cool. Je me suis réveillée ce matin. À chaque fois, ça me fait... Je fais, oh, quand je me vois, parce que c'est quand même très, très blond. Mais moi, j'aime beaucoup. Je les ai attachés, évidemment, parce qu'avec le sport, on va aller mieux. La fenêtre est ouverte, hein. C'est pour ça qu'on entend un peu de bruit. Cet après-midi, c'est en fonction du temps. Je vais essayer de faire la face cam, comme je vous disais. J'ai bien envie. Mais voilà, si c'est encore canicule, 36, 38 degrés, c'est mort. C'est pas la peine. Et bah sinon, je vais arrêter maintenant. Je vais vous faire un gros, gros bisou, ce petit vlog. Et on se dit à demain ou après-demain. Voilà, je vous embrasse. Salut !